L'actualité, c'est également le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, qui a conféré avec la représentante du PNUD au Gabon. Les activités de cet organisme dans notre pays figuraient au menu des échanges. On regarde. Dans le cadre des consultations régulières que le PNUD a avec le gouvernement de la République, son coordonnateur résident pour le Gabon, Mme Marie-Evelyne Petrus-Barry, a été reçue en audience ce mardi par le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo. Les grands axes de coopération entre le Gabon et le programme des Nations Unies pour le développement ont constitué la trame des échanges entre les deux personnalités. J'ai rencontré Monsieur le Premier ministre de la République gabonaise pour discuter avec lui, comme nous le faisons de manière régulière, des différents projets que le PNUD met en œuvre au Gabon et discuter également de la coopération entre le PNUD et le gouvernement du Gabon. La directrice adjointe pour l'Afrique du PNUD arrive au Gabon dans quelques jours et va aborder avec le gouvernement du Gabon le nouveau paradigme du PNUD. Outre les différents projets de la mission que le PNUD met en œuvre au Gabon, Mme Petrus-Barry a également annoncé au chef du gouvernement l'arrivée prochaine à Libreville de la directrice Afrique du PNUD en mission de présentation d'un nouveau paradigme des engagements du PNUD au Gabon.